Eh bien salut tout le monde, salut à toutes ces personnes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Auron. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, ça va super. Aujourd'hui on va tester Conan Unconquered. Je tiens juste à dire que le jeu n'est pas encore sorti, donc ce n'est pas la version finale. Donc il se peut qu'il y ait énormément de choses qui vont changer, mais pour l'instant on joue avec cette version là. Conan Unconquered, c'est un jeu qui est un RTS, donc c'est un réel stratégie, tactical stratégie. Voilà, une différent avec les tous les jeux tour par tour. Là, c'est une stratégie en temps réel qui se situe dans l'univers de Conan Exiles, parce que c'est les mêmes développeurs que Conan Exiles. Où le but sera simple, on va devoir construire des forteresses, survivre à des vagues d'ennemis. Et un peu partout sur la carte, il y aura également des monstres qu'on va devoir tuer. Enfin, ça, vous verrez. J'avais lancé une game vite fait en solo l'autre jour pour voir, pour tester vite fait. Mais je ne connais pas plus que ça. On va tout essayer de découvrir aujourd'hui. Enfin, on découvrira pas tout parce que ce jeu risque d'être énormément long, hein, comme tous les RTS. Mais on va déjà découvrir un petit peu le début ensemble. Et ça peut le faire. Après, je pense que t'étais parti en solo, t'as eu des vagues d'ennemis, mais là, les vagues d'ennemis, ça va être moi, je pense. Alors, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais pas si c'est une coop ou un face-à-face. Je sais pas. Bah là, normalement, on est en mode coopératif, donc je pense que... Ça veut dire que je vais te tenir avec toi. À mon avis, oui. Regarde, partagez vos ressources avec vos alliés, que etc. Dalle crève. C'est le <mandat. rire> Moi, je te laisse pourrir. Par contre, la génération de la carte, c'est exactement comme Conan Exiles, utilise énormément de. De toute façon, ouais, c'est ce que tu disais, ouais, c'est les mêmes développeurs et tout. Je pense que rien que voir le fond d'écran du menu, tu sais directement que c'est Conan Exiles. Yes. Alors, ouais, bon, les guides. Comme pour le mode solo, du coup, ça explique 2-3 trucs. Déjà. Temps suspendu. Ok, donc déjà. Déjà, en fait, pour expliquer vite fait un petit peu, donc on contrôle un héros. Chacun de nous contrôle un héros. C'est toi qui es en train de bouger là ? Ouais, c'est moi qui contrôle mon personnage. Oh. Je clique dessus. C'est que à la souris. Hein. Donc chacun de nous va contrôler son propre héros qui aura différentes caractéristiques. Et en fait, en bas, tu vois qu'il y a différentes choses à faire. Par exemple, hein, différentes choses à créer dans la structure de production. Donc, c'est l'épée avec la pioche. T'as différents bâtiments. Certains ouais. bâtiments vont te donner des t'as ressources. Commencé à construire. Ouais, je vois ça. En fait, les taudis là que t'as créé, c'est ce qui va nous permettre de gagner de l'argent ainsi que des villageois. Donc là, par exemple, tu vois que à droite, on a 500 pièces d'or. Et tous les temps, on gagne plus 105 pièces d'or. Bah j'ai plus 230 pièces d'or moi. Ah bah toi tu gagnes plus 230. Moi je gagne plus 105. J'ai 230 plus 105, mais moi j'ai déjà dépensé de l'argent pour construire des trucs. Ouais bah ouais, moi j'en ai 500 encore. Et je gagne 105 pièces tant de temps. Le truc tu vois c'est que en haut en fait, on doit survivre au total 25 vagues. Et là, tu vois que t'as une petite case, un petit truc rond qui se décale jusqu'à à gauche. En fait, ça, c'est quand les vagues vont arriver. C'est pour ça qu'en gros, on va devoir créer, genre par exemple, des terrains d'entraînement qui vont pouvoir du coup créer des épéistes et des javelotiers. Donc, je vais en faire un, comme ça. Ce que je peux faire également, c'est un camp de bûcherons, le mettre au niveau des... Au pire, faut séparer les tâches. Moi, je construis. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça, en fait. Faut séparer les tâches. Et afin de pouvoir essayer de. Moi, je construis les taudis et les cabanes de chasseurs. Ouais, par contre, c'est toi qui me suis là ? Non. Ah, si. Ouais, non, c'est un ennemi, si. Ça. Il y a une tête de mort. Attends, mais. Mais si, c'est toi qui me suis, wesh. Ouais, je suis automatiquement, j'ai rien fait, moi. Mais pourquoi tu me suis ? Mais non, c'est bon. Donc là, tu vois, j'ai créé du coup le terrain d'entraînement. On va pouvoir créer un épéiste. Non, pour créer un épéiste, il nous faut 105 pièces d'or. Il nous faut un villageois et un truc de blé que je ne sais pas ce que c'est. Donc c'est pas grave, on va le faire quand même. Donc c'est parti. Donc la barre bleue qui monte au-dessus, qui bouge au-dessus.
c'est le temps de création de ton épéiste. Donc en gros, ça se passe comme ça. Il faut qu'on crée des taudis pour avoir des villageois. Non, alors le temps suspendu, en fait, ça permet de pouvoir du coup mettre en pause le truc, mais ça fait pas avancer genre la création de tes... La barre bleue, c'est toi, moi c'est une des barres vertes, je pense. C'est pour différencier les constructions de qui fait quoi. Peut-être. On se fait attaquer, je crois. J'entendais... Ouais, on se fait attaquer. La vraie guerre commence, en fait. Ouais, là c'est mon épéiste qui vient de sortir. Et du coup, faut faire gaffe parce que. Par contre, tu peux décider où est-ce qu'ils vont. De quoi? Parce que là, tu vois, tes épéistes, tu les construis comment toi après? Alors, tu cliques dessus et tu fais en bas, t'as terrain d'entraînement du coup, et tu cliques sur. Construire, entraîner, recherche. Sur l'épéiste ou le javelotier. Ah ouais, non, mais moi ça a rien de. Non, mais. Est-ce que tu peux cliquer sur le terrain d'entraînement et créer des épéistes et des javelotiers ou faut que tu fasses le propre. C'est quoi, c'est dans entraîner quand tu crées les épéistes? Ouais, en bas. Non, j'ai rien. Ok, donc je pense qu'il faut que tu crées ton propre truc. Ça c'est dommage, ça, par contre. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais créer davantage. On nous attaque. What? Ils sont sérieux d'attaquer autant là par contre? T'es sérieux qu'il y en a autant? What the fuck? Ah, c'est pas construit, hors de portée, mais. Par contre, tu peux venir m'aider aussi, ça. Ouais, t'inquiète. C'était le temps de réussir. Et ceux au-dessus, là, il y a mon épéiste qui est en train de se faire violer. Hop, allez là-bas. En attendant que je me déplace, on va créer un camp de bûcherons. Tac, nickel. Ouais, je suis à 25 000 personnes. Vas-y, je m'en occupe, j'ai pas les pouvoirs. Ah putain, ils sont en train de péter mes cabanes de bois. T'inquiète, je redescends après. Hop, j'ai créé un javelotier. Je vais l'amener en bas. Tac. Putain, ils ont détruit un truc. Voilà, ils sont en train de détruire tous nos trucs. Vague d'assaut en train de se réunir. Hop, je bute les mecs là. C'est bon. Tac. J'ai mon javelotier. Crée un terrain d'entraînement. C'est ce que je fais. Ouais. Yes. Par contre, je peux construire. Il me faut des taudis. Ah si, voilà. Il me faut des taudis. Tac, tac. Est-ce qu'on peut déplacer les constructions? Je pense pas. Fuck. Ok, donc ouais, toi, t'as créé un terrain d'entraînement, c'est bien. Du coup, là. Ah ouais, voilà, là, je peux construire. Là, la vague 1, elle est pas terminée. Tu vois genre le petit blason en haut qui se dirige vers la gauche, une fois qu'elle est à gauche ça veut dire que les mecs ils arrivent. Le blason? Ouais, ah, tu vois pas un blason qui va vers le rouge là. Voilà c'est ça. Voilà c'est ça ouais. Du coup là en gros va falloir cabane de chasseurs, c'est pourquoi ça. Si les trappeurs fournissent peu de nourriture à la forteresse. Deux cabanes de chasseurs ne peuvent pas être placées côte à côte, ok? Et l'étendard de guerre en fait ça permet de pouvoir déplacer notre zone. En fait, plus on s'étend. En fait, faut qu'on s'étende sur la carte. Que tu vois en bas, là, tu vois, t'as une énorme carte toute noire. Et tu peux, quand t'auras plus de personnes, tu peux du coup te balader un peu partout sur la carte pour découvrir de la carte. Et grâce aux étendards, tu peux dispatcher ton. Tu peux pas genre te balader avec ton perso pour découvrir la map? Ah tu peux, mais le problème c'est que je pense que si ton héros meurt, tu perds la game. Tu vois? Et sur la carte, il n'y a pas que des mecs qui vont venir pour te buter. Il y a également des petits mobs, des bestioles, je sais plus comment ils les appellent dans le jeu. Mais il y a des bestioles aussi, genre des araignées ou des trucs comme ça qui peuvent te buter. Donc c'est pour ça, faut faire gaffe. Ah, et des araignées. Je reviens. Bon, moi j'ai découvert jusqu'à là-bas, on sait que là-bas il y a des araignées. Ouais. Alors, tu vois, genre. La zone grisée, je crois que c'est la zone où on voit pas. Hop, je crée des mecs. Comme ça, je vais le foutre ici. C'est quoi, moi je vais le foutre là. Tu peux pas donner un point de ralliement si, tu cliques sur ton truc et tu fais clic droit à un endroit. Ok, nice. Moi je vais défendre à gauche, t'as qu'à défendre à droite, tu sais. Ouais, ça, vas-y, on va faire ça. Par contre, j'ai pas envie de créer plusieurs trucs d'un coup là. Putain. Si, tu cliques tout le temps, mais si t'as pas suffisamment. Ouais, j'ai pas assez de ressources. Il faut quoi pour créer ça? De l'argent. Alors, créer, il faut de l'argent. Wesh, je suis attaqué. Oh,
par des araignées en plus. Et... Ah ouais. Oh putain, what the fuck. T'inquiète, du coup, vous. Je vais demander à aller là-haut. Ah, t'inquiète, j'ai 3 mieux, Non, non, mais mon côté aussi, je me fais attaquer. Ah, d'accord. Bah, meurs. Moi, oh, c'est bon, je suis. T'as besoin d'aide ou ça? Ton mec, je crois qu'il s'est fait gang-mang le truc. T'as vu, c'est incroyable quoi. Alors, y a, bon, comme vous pouvez voir, il y a encore des petits problèmes de. Des petites. De traduction également. Des petits problèmes, genre par exemple à droite, c'est marqué 20 950. Y a un petit symbole. pas ouf quoi. Alors. Ah, moi aussi, c'est bon, je me fais attaquer. Oh putain, ça va de tous les côtés. Vas-y, je me fais AVR moi, pas les couilles. En fait déjà. Oui, c'est un réparation sélectionné, coup de 10 d'or. Ok. Tu crois que quand tu meurs, tu iras pas à 500 000 km comme dans Conan Exile? Je sais pas. Ok, donc là, il me faut plus de taudis. C'est quoi, c'est nos points en haut en fait? De quoi? En haut, c'est nos points en fait. Ouais, je pense. Pour avoir vaincu la vague 1, ouais, c'est nos points. Ouais, des taudis, t'inquiète pas, j'en crée beaucoup là, ça se voit pas. À gauche. Ouais, mais du coup, pour toi, ça marche, mais pour moi, je gagne pas les trucs. Du coup, faut que j'en rajoute encore. Ouais, ouais, créer un village là-bas. Ouais, c'est ce que par contre, je sais pas c'est quoi. Étendre de gain, signal aux frontières de votre territoire. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Ok, alors attends, je vais c'est mettre pour là. Étendre ton territoire. Donc en gros. J'en ai mis un. Moi. Ça, on pourra construire à peu près où est-ce que je suis, voilà, c'est ça, en fait, ça a grandi la zone. Voilà, c'est ça. Donc ça a grandi tous les 100 mètres, quoi. Et après, également, il me semble qu'on a un truc. Tu vas dans structure défensive. Travaux de cadastre ou autre. Va dans structure défensive, tu vois que tu peux construire des murailles. Ouais, 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 j'ai vu. Et en fait, la construction de murailles, quand tu mets un étendard, ça agrandit la zone de construction de murailles. Genre, par exemple, sur la gauche, là, tu peux faire une putain de muraille de... Non, oh, mais ça coûte hyper cher. Comme non, ça, t'aurais dû le mettre au-dessus. Genre tout le nord. Bah là, au moins, ils viendront pas de ce côté-là. Et tu peux faire une porte aussi, regarde. Ah, du coup, on va là. Par contre, la porte, j'arrive pas à la foutre. Je vais attendre ici, du coup. J'arrive pas à mettre la porte. Non, mais t'aurais dû attendre là au nord. Tu vois, bon, c'est pas grave. Non, la zone au nord, elle est beaucoup plus grande. J'aurais pas assez de thunes. Bah, mon alors, par contre, là, hein. Ouais, crée des mecs, hein. Mais c'est ce que j'essaye de faire, j'ai pas tout. Ah, t'as pas de sous? Bah, ça monte, tout doucement. Ok. Donc là, la vague 2, elle va se ramener. Hop. Je vais mettre deux mecs. C'est quoi, je vais commencer la construction du mur ici. De Berlin. Regarde. N'hésite pas à... J'ai fait un début de construction de mur. Alors, pour réparer tes bâtiments. Tu vois à gauche, enfin à droite de ta mini carte en bas à droite, en bas à gauche, pardon. T'as genre un petit marteau avec une petite maison. Et en fait sur ces trucs là tu cliques et après tu recliques sur ta maison qui est abîmée et tu peux la réparer. Un petit marteau avec une petite maison. Ouais. En bas à gauche de ton écran. Tu cliques. Alors soit t'as réparé toutes les structures. C'est le troisième logo. Soit t'as juste celui où tu dois sélectionner le bâtiment que tu veux réparer. Ah bah on peut détruire les structures aussi. Ouais, mais... Pourquoi? Pourquoi tu voudrais la détruire? Je sais pas du tout si tu gagnes quelque chose à la détruire. Donc fais gaffe. On va voir si tu récupères les ressources. Ok. Bon déjà, j'ai pas mal de mecs. Par contre, je sais pas si tu peux soigner tes mecs. Y'a quoi dans recherche? Y'a pas grand chose. Je vais créer davantage de mecs, voilà. Putain, par contre, niveau ressources, c'est long. Ouais, niveau ressources, c'est pas mal long. D'ailleurs, ah, c'est ça qu'il faut faire. Ok, j'ai compris. Il faut créer des cabanes de chasseurs. Parce que tu vois, genre, à des moments, t'as besoin de nourriture. La nourriture, c'est représenté par le logo. Bah, t'en as mis une de Porsche en haut. Par le logo d'Épine Mamis. Ah ouais, j'en ai mis une. Ah ouais, ok, j'avais pas vu. Comment dire? La nourriture, c'est représenté par le logo d'épine maïs en bas à droite. Et pour avoir de la nourriture, il faut créer des cabanes de chasseurs. Donc je vais créer des cabanes de chasseurs. Ouais, je pense que alors faudrait commencer à en créer beaucoup. Mais après, c'est le truc, on peut pas mettre l'un à côté de l'autre, ça. Ouais. En gros, après, t'as une zone, il te montre la zone, donc c'est pas... Ouais, mais ça te fait loin des trucs à Patochnek à chaque fois.
c'est pas grave, ça encore, c'est un détail. Voilà, j'en ai créé plusieurs. La vague, elle se ramène. Et quand les structures sont réparées, ils récoltent mieux ou pas? Ouais, je pense. Bah, ils récoltent mieux, je pense. Mais également, ça permet de. Bah, juste de réparer les structures. Comme ça, si les mecs ils reviennent et qu'ils les pètent, oh bah. Bah, ils devront recommencer. Ah ouais, de mon côté. Ouah, de mon côté, il y en a pas mal. Je vais laisser mes mecs en haut, je descends. Il est où mon propre héros là? Parce que. On est en train de se faire déglinguer tout le monde. What, je suis en feu. Voilà, je pense qu'il va. Ah putain. Mais il a fait tout le tour, elle est con, hein. Comment ils mettent trop cher? Attends, je vais ramener tous mes persos en haut, je vais les ramener en bas. Ramène tes persos en haut là, j'ai peur de se faire attaquer en haut, tu vois. Ah ouais, ouais. Ils détruisent. Ouais, là, on prend cher, là. Mais bon, après, c'était sûr et certain. On a oublié de créer des cabanes de chasseurs, ce qui a fait qu'on a été ralenti. En attendant qu'ils font ça, hop, voilà. Oh putain, notre forteresse, elle est grave endommagée. Ok, on a... Ok. Eh ben... What? Mais mon mec, il est en feu, regarde. Non, c'est bon, il est pas mort. Ok, bon, ils ont détruit pas mal. Combien j'ai d'argent? J'ai que dalle. Génial. Bah ouais, c'est ça, parce que l'argent, faut qu'on crée des taudis pour avoir de l'argent. Ouais. Et là, on va dire que je suis plutôt dans la merde à ce niveau-là. Comment ça se passe, structure de soutien? C'est quoi ça? Guilde d'artisans, comme son nom l'indique, cette guilde accueille un grand nombre d'artisans, mais aussi des architectes. Permet de réaliser des structures de début de partie et de les améliorer. J'aime pas trop le bruit que j'entends à gauche. Genre, on dirait un gros char d'assaut à gauche. Ou je sais pas si c'est les flammes sur tes portes là. Non, attends, il y a un truc qui se fait péter, c'est quoi ça? Attends, c'est quoi? J'envoie un. Non, il y a toute sa vie. J'envoie un éclaireur. Vague d'assaut en train de se réunir. Ah merde! Cabane danger. De chasseurs, vas-y, je vais créer une cabane de chasseurs. Danger. Je crois qu'il y a un mec qui. Eh hey, mec, je viens de penser à une technique. On crée un gros village de cabane de chasseurs et tout, puis tout autour on met des murs. Ouais, je suis ton pote là en haut. C'est moi, je l'envoie en haut en reconnaissance. Voir un petit peu, c'était quoi le bruit qu'on a entendu. Oh oh, ok. Il y a des mecs. Ils vont venir par le nord. Ah non, il y a des coffres, mec. Faut récupérer un coffre. Attends. Attends, mais moi j'ai. Bah, vas-y avec ton armée au pire. Ah bah, mon perso il va. Mon perso il va crever avant d'arriver, regarde. Il est déterré, laisse tomber. Voilà, donc. Dans l'ensemble, c'est ça quoi. Combien j'ai de thunes? Ah, j'ai drop du fer. Est-ce que je peux créer des murailles? Hop. Vas-y, moi je vois la carte. Alors, le truc c'est que je peux pas créer de muraille, il me faut un étendard. Donc je vais créer l'étendard ici. Là je crée des murailles un peu partout pour éviter qu'ils nous pètent la gueule. Mais par contre les araignées elles peuvent venir des montagnes et ça c'est plus compliqué déjà. What? C'est quoi ça? Bah ça c'est les bestioles que je t'ai dit. 6000 de vie, 60 000 de vie mec. Ouais, on est pas du tout par contre la vague elle arrive. Ouais, des armes. Vas-y, je me fais les armes. La vague arrive. Non mais y'a des loot mec, en fait faut se balader. Bah oui je te l'ai dit, mais ça va trop vite en fait. Je veux dire là y'a déjà la vague 4 qui se ramène hein. Donc faut faire plein de trucs à la fois. Et moi là j'ai plus assez de perso pour défendre donc là j'ai deux mecs en bas, deux mecs en haut. Donc c'est pas comme ça qu'on va gagner. Bon, dans tout cas, j'ai créé une muraille. J'arrive, ça, c'est bien. Yo, perso. Il est en bas devant le. J'attends. Sinon, tu double-cliques sur ton, ouais, sur ton image. Et voilà. Ok. Hey. Donc, déjà, toi, t'as ça, c'est bien. Moi, je vais reconstruire un petit taudis là. Bon, je pense qu'il faudrait se balader des fois. Ouais, mais le problème c'est que se balader faut créer des persos pour. What? Astuce utile. Attends, tu sais quoi? Moi je vais envoyer mon perso là-bas. Allez, dégage. Fais gaffe, il y avait des araignées en bas de là. Ouais, mais il va découvrir la carte.
Tu veux mourir. T'as récupéré le coffre en fait? Ouais, ouais, j'ai récupéré. Il y avait quoi dedans? Sanctuaire. Le sanctuaire est une source d'eau pure et bénie. Ah, bah non, 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 par contre, est-ce qu'on peut lui dire de ne pas attaquer? Attaquer, patrouiller. What? Ouais! Hey, mais entre les mobs, ils se tuent! Mais regarde! Regarde le nombre de mobs, quoi! C'est est-ce qu'ils se tuent entre eux? Entre les scorpions et. Bah, ça a pas l'air. Par contre, mon perso. Oh, je me fais déglinguer, moi. Ah ouais? Mon perso, il se fait violer aussi. Attends, par contre, toi, dégage. Va-t'en, va-t'en. Ok. Oh! Mec, c'est abusé le nombre de mobs! Il me faut plus de ziggurat. Comment on se soigne? On peut pas soigner nos potes tout. Je sais pas du tout. 249 pièces d'or. Ah, c'est mort. Faut que je l'amène là-haut. Par contre, ils sont en train de me violer à droite là. Ouais, j'arrive. Et j'ai plus de perso. Bon, allez, j'emmène mon héros, tant pis. J'arrive. Défends, essaye de défendre comme tu peux. Ouais, bah. Mais même en pas, mec! Bah ouais, mais j'ai plus personne, ils ont tout buté. Faut buter le gars au feu d'abord. J'y vais. Vas-y, moi j'attaque. Allez, vas-y. Oh, mon héros, il va crever. Non! Non, mon héros est mort! Ah bon, bah quand notre héros il crève, bah. Ah, désolé, il crève, bah. C'est... Bon. Bah, là-bas, on aurait dit notre première game de Conan Xai. Bah, en tout cas, je trouve que pour notre première game, en tout cas, moi c'est très rare que je joue à des jeux comme ça, donc je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Je pense que vu que t'étais l'hôte, si tu meurs, ça finit complètement la game. Ah, peut-être. Parce que moi j'étais pas mort. Ça par contre, toi aussi t'as un gros point d'interrogation au milieu. Okay. À mon avis, c'est les espaces qui galèrent. Ouais, je pense. Bref, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, ouais, je pense aussi. Non, ça ira. Non, bah non, mais genre, après, je veux dire, ça reste le même. Mais bon, quand même, je trouve le jeu est quand même vendu 29,99€ et je trouve qu'il y a encore énormément de travail à faire dessus. C'est pas une early access, quoi. Non, je crois pas que ce soit une early access. Alors, je pourrais pas te le dire. En tout cas, moi, ils m'ont pas dit comme quoi c'était une early access. Mais et j'ai pas regardé, donc je pense que le jeu est sorti. Enfin, il sera fini quand il sera sorti. Il y aura sûrement des mises à jour, mais en tout cas, oh, c'est quoi ça? Oh, il y a une BD et tout. Trop bien. Oula, je vais éviter de montrer. Ah, mais non, quoique. Ouais, bref. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Les développeurs m'ont dit que c'était un jeu plus à faire en coop. Donc, si vous avez des amis, n'hésitez pas. Parce que, apparemment, en solo, c'est moins sympa. C'est ce qu'ils m'ont dit. Bref, sur ce, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Et à bientôt. À bientôt.